Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette diffusion qui commence maintenant. Ça fait longtemps que j'avais fait un stream de crafting, alors je vous salue en ce lundi 11 juillet, donc le lendemain de la dernière journée du Comic Con de Montréal que j'ai participé et dont vous pouvez voir certaines des photos qui ont été prises de moi et que j'ai prises de d'autres personnes sur mes médias sociaux, donc sur mon Facebook, Instagram, j'allais dire Twitch, non, Twitter. Alors, j'ai mis les photos là. Donc, sinon, vous, comment ça va? Moi, ça va super bien. J'ai vécu un très beau week-end, une très belle fin de semaine. Et, ben, c'est ça. Honnêtement, c'est cool. Et j'ai de belles histoires à raconter, puis des belles histoires que j'ai vécues ce week-end. Alors, c'est un peu un stream crafting retour Comic Con. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai intitulé. Et on va y aller comme ça. Donc, ce soir, justement, sur le sujet de crafting, je vais. En fait, je commence ce soir des réparations puis des correctifs à mon cosplay de Rex dans Xenoblade Chronicles 2. Parce que ce cosplay, je veux le porter pour le Tacuton dans un mois. Et j'ai quelques correctifs à faire et j'ai aussi des props de scène à construire, du matériel sur une scène parce que je veux faire la mascarade avec du samedi. Et donc j'ai tout ça à faire. Bon, ça devrait être correct, c'est juste que, bon, faut que je me mette, un mois ça arrive vite, alors je m'y mets de ce pas. D'ailleurs, il faut que je me fasse, d'ailleurs, vous reconnaissez. Ça, c'est mon étui de téléphone, c'est Xenoblade Chronicles 2. Alors, justement, pour ce sujet, je veux me faire une liste de choses à faire. Déjà, juste avant le stream, j'ai ouvert, derrière moi, il y a un gros bac, là, qui contient mon cosplay de Rex. Faut que je me fasse une liste des choses à faire, puis les traiter par priorité. Donc, j'ai deux catégories. La première catégorie, le costume, puis deuxième catégorie comme mascarade, scène, on va dire ça de même. Et donc j'ai une tour d'eau à faire en carton, du moins une imitation. Boîte pour verser. Oh, je veux pas trop révéler les punchs de mon skit, mais bon, j'ai des choses que je note en ce moment. Donc pour le costume. En priorité, c'est refaire le bleu des deux jupes autour de mes jambes de Rex. Donc le bleu des jupes. Aussi, qu'est-ce que je veux faire? J'ai un truc qu'il faut que je répare. C'est l'attache. Ça c'est le suit de Rex sur le dessus. Il y a des attaches qui se sont défaites avec le temps. Ça, ben, c'est à cause que j'utilisais. J'ai pas utilisé les bons matériaux pour ça. Faudrait que j'utilise des attaches à souliers puis tout ça. Mais là, maintenant, je le sais. Et je vais intégrer ces apprentissages-là que j'ai fait dans la réparation que je vais faire pour ça. Alors, on va refaire attache. Refaire attache veste brune et collet. Donc ça, c'est dans les deux trucs les plus importants, je vous dirais, côté cosplay. Il y a un truc que je veux faire aussi. Je pense que je l'ai réglé, mais je vais le tester en direct devant vous. C'est que si je veux faire des moves d'épée, me battre et tout ça, j'ai en fait avec moi une espèce d'harpon, un fusil harpon, et il faut qu'il soit très solide dans ma main. Donc, déjà, tu sais, je le sens qui tourne tout seul. Donc, il va falloir que je vienne intégrer, ajouter du fond, en fait de la mousse, tout autour des deux extrémités. Il y en a ici, mais je pourrais en ajouter encore un peu. Mais par contre, je voudrais en ajouter en arrière aussi, juste pour être sûr que ça tienne et que ce soit solide sur mon bras puis que ça bouge pas. Parce que ben je veux être sûr que ce soit correct. Je regarde un petit peu. Il y a du bleu qui s'est. Ouais, c'est ça, le bleu de la jupe.
le bleu de la jupe s'en va facilement partout. Et il faut que je l'enlève. Je vais le gratter très délicatement avec mon ongle. Parce que je viens de voir ça. Sérieux, je suis en train de réaliser que peut-être que ma première version de jupe était meilleure. Il y avait c'était en tissu, mais ça avait l'inconvénient que quand les jambes se frottent, surtout dans mon entrejambe, il y a de la peluche sur le tissu qui se forme et ça fait en sorte que il faut remplacer le tissu après plusieurs fois qu'on le porte. Ah, ça s'est vraiment mis partout de bleu. Hein. Sérieux, je pense que ce que je vais faire, c'est que pour la prochaine fois que je vais entreposer tout ça, je vais vraiment devoir séparer le bleu, la jupe bleue du reste parce qu'elle contamine le reste du costume. Ça se règle facilement, là, j'ai juste à remettre de la peinture là, mais sur les pièces où ça le déteint, mais j'aimerais éviter de faire ça. T'sais. Donc, puis d'ailleurs, ça se peut que tantôt, là, durant mon live, je fasse des tests parce que je voudrais peut-être expérimenter autre chose que le dépôt d'acrylique sur du vinyle directement au pinceau. Ce que je pense faire, c'est peut-être essayer une technique au airbrush ou même avec le. En fait, c'est le même bleu. Ce que j'ai fait pour Captain America, j'ai encore de la peinture en spray. Ça pourrait être une solution. Quoique, je sais pas si ça va tenir, mais au moins, en tout cas, ce serait un essai à faire sur du tissu de test en vinyle. Ça pourrait être une solution. Non, vraiment, lui va être dur à enlever. Je sais pas si je peux vous montrer ça sur l'autre caméra. Donc là, vous voyez ma montre, je vais vous enlever ça. Donc, ce que je suis en train de parler, c'est ça ici. Donc, tout ce qui est ici, il y a du bleu, là, vous voyez, là, sur l'extrémité de... Ah, c'est pas évident à enlever. Puis là, surtout que ça bouge. D'ailleurs, ça, c'est un... Ouf! Ça bouge trop à mon goût, ça. OK. Je vais rajouter ça à ma liste. Donc c'est pour ça que, en fait, je commence en direct devant vous à travailler sur les correctifs, puis à prendre note de tout ce qui doit être fait. Causé par jupe, voilà, et solidifier morceau. Du morceau dessus harpon. Tiens, c'est noté. Donc voilà, c'est fait. Ok. Donc ça, c'est bon. Ouais, je peux pas vraiment enlever ça. Ok, il va falloir que je revienne plus tard. Ok, donc on va laisser ça de côté. Je vais mettre ça ici. Ok. Ça, j'avais pas l'intention de travailler là-dessus tout de suite. Je vais laisser ça là parce que le bleu, c'est relativement facile à faire. Le truc le plus risqué en termes de difficulté, je vais le commencer en premier, en fait. Donc, on met ça là. Je vous amène la fameuse jupe. En fait, j'en ai deux comme ça. Donc ça, c'est une des deux jupes. Là, il y a beaucoup de reflets à cause de la lampe. Je sais pas si je peux mieux vous le montrer. Ça l'a bien tenu côté jupe. Le problème se situe à l'endos. Là, quand je le porte, là même qu'il y a des traces ici, là, ça décolle. Quand je l'ai porté pour un photoshoot, ça l'a tout écaillé. Parce que c'est directement collé contre ma peau, contre ma culotte de Rex, la culotte tight autour de moi. Et étant donné la chaleur, pas le frottement, mais aussi la chaleur causée par moi qui suais en pleine journée, ça l'a fait décoller ça.
Donc, là, j'ai deux solutions. Soit que je le repeigne et que le même problème se passe, qu'on veut éviter. Ou l'autre solution, c'est d'utiliser une autre technique de peinture. Ou sinon, la solution ultime, ce serait de carrément trouver le tissu de la bonne couleur en vinyle. Mais bon, par expérience, du vinyle comme ça, tu trouves difficilement ça de cette couleur-là. Alors, ça se peut que j'essaye de quoi d'expérimental. Puis d'ailleurs, ça se peut que je me lance là-dedans. Je regarde un peu l'étendue des dégâts, entre guillemets, là, même si ça se répare assez bien. Mais bon, c'est là où j'en suis. Donc, tu sais, des petits trucs comme ça à réparer. Là, je vais juste enlever. Il y a la peinture qui a écaillé, mais qui ne s'est pas enlevée. Donc, je vais enlever les écailles. En fait, toutes les espèces de plis bizarres. Donc, juste pour m'assurer de devoir revenir là-dessus. Mais ouais, on dirait une petite écaille de peinture. Donc ça, je vais trouver une solution pour ça. Donc, une autre place. Oups. Je regarde avec attention. Ah, ok, ici c'est... c'est bizarre ça. J'en ai même, on le verra pas là, cette partie-là de bleu, mais c'est juste parce que moi j'aime ça peinturer même les côtés qui sont difficilement visibles. Je vais mettre de la peinture dessus. Donc là, j'enlève la petite résistance. Voilà. Ok, donc là, il n'y a plus de boss bizarre. Ce qui devrait aider. Ici, j'en ai un petit peu à corriger. Quoique là, c'est dans un pli. Ok. Donc, ça donne ça. Peut-être un peu de poussière à enlever. En tout cas, j'ai des correctifs à faire là-dessus. On va mettre ça de côté. Je vous dis, le vinyle puis l'humidité, ça va pas bien ensemble. Ça, je peux vous dire ça avec expérience. Sinon, on va aller chercher l'autre partie de la jupe. Qui a subi exactement le même sort. Ça colle partout, cette affaire. Donc, allons regarder ça. Qu'est-ce que ça dit? Là, c'est tout déplié dégueu parce que c'était dans une boîte. Là. Donc, je le chauffe, que je redonne la forme. Okay. Donc, on va regarder la même chose. Bon, l'usure est pas mal semblable. On va... faire un changement de caméra, comme même chose ici, il va falloir régler ça. En fait, c'est invisible, hein, cette partie-là. Tu sais, un fixe vraiment facile, là, enlever la peinture, tout simplement, parce qu'on le verra même pas, ça. J'enlève tout le bleu ici, le problème est réglé. Puis aucune façon, tu sais, je regarde, j'ai une photo de mon Rex en ce moment, là. Il n'y a aucune façon que vous pouvez voir, anyway, l'arrière. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. De toute manière, je dois enlever ça. Puis, on va y aller de même. En fait, je peux m'aider de petites lames que j'ai. Je vais faire ça tout de suite. Ça va déjà être une étape, un jalon de franchi dans la réparation de ce cosplay. Alors, je vais chercher ça. Sinon, comment s'est passée votre journée de votre côté? Moi, c'est retour au travail après 2 semaines de vacances. Et c'est cool. Je reviens du Comic-Con. Puis
sais, j'ai tellement bien fait de réduire mes heures en convention, là. Tu sais, maintenant, on arrive à 11h midi, puis on part à 17h. Fait tu sais, on se brûle pas. Tu sais, il y a une époque où j'arrivais à 9h le matin, puis je partais à 20h, 21h le soir. Tu sais, 10 heures de temps, 10-12 heures en cosplay, fois 3 jours. Non, honnêtement, c'est cool. Puis t'évites tellement des files d'attente aussi. Tu t'évites une file d'attente à entrer dans la salle marchande, tout ça le matin. Puis... En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas dans la vie, c'est attendre et pour inutilement. En tout cas, des files d'attente et tout, je suis vraiment pas fan de ça. Donc la musique, c'est de la musique de Xenoblade Chronicles 2. Donc la musique du jeu d'où mon cosplay vient, provient en fait. Là, je vais délicatement enlever le bleu. Ce bleu que vous verriez même pas, anyway, de toute façon. Juste cette partie-là. En même temps, quand j'ai fait le photoshoot de ce cosplay-là, c'était dans un parc. Il faisait genre 25 dehors. Il faisait vraiment chaud. Puis mon cosplay a vraiment subi les foudres de la météo. Peut-être si je le portais dans un temps plus froid, il n'y aurait pas eu aussi autant de dégâts que ça. Mais là, on est là. J'ai un mois pour le réparer. Donc, le régler, en fait. Tiens. On enlève les petits bouts. Ah, ça va bien à enlever ça avec son ongle. On dirait que je gratte un gratteux, un billet de loterie. Ça ressemble vraiment à ça. En fait, savez-vous quoi? J'ai envie d'essayer quelque chose. Je vais utiliser la technique de la pièce de monnaie, là, comme quand on gratte un billet de loterie. Là. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai-tu la monnaie qui me reste? Ah, j'ai un 10 cents. Parfait. Non, c'est pas très concluant. En fait, c'est que... Mets-tu ici. En fait, c'est que... Il y a tellement peu d'espace entre la peinture et ça que je dois y aller avec mes ongles. Je pourrais toujours... Qu'est-ce qui dilue de l'acrylique? De manière, j'ai peur de faire une gaffe. Je vais y aller plus avec mes ongles. En tout cas, même si j'enlève pas toute la peinture bleue, c'est pas grave parce que... C'est un bout qu'on verra même pas. C'est plus pour éviter de tacher les autres pièces de mon cosplay que quand je l'enlève à la fin de la journée. Tiens, on gratte. Tu sais que c'est important d'avoir des ongles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez dans mon décor, mais il y a une nouvelle pièce qui est juste là. C'est le boomerang de Hope que j'ai terminé
et que j'expose dans ma pièce. Donc voilà, c'est une nouvelle pièce de crafting que j'ai faite et qui s'expose bien dans la pièce où je suis. Ok, donc pour cette partie-là, on va y aller avec une lame. Une lame plus ronde, ça irait mieux, je pense. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Ah, oh yes, ça vient comme tout décaper d'un coup, c'est le fun. D'ailleurs, le prochain Xenoblade Chronicles 3 sort à la fin du mois, je pense que c'est le 29 juillet. Ça, je vais y jouer, c'est sûr. Moi qui est un grand fan de la série Xenoblade. Bon, là, faut que je fasse attention parce que là, à ce bout-là, j'ai cousu des fils qui retiennent les deux côtés des deux côtés de la jupe. Là, par contre, ça va moins bien. Bon, désolé si vous voyez moins bien, mais là, j'essaie de quoi? En fait, c'est de l'autre bord. Faut vraiment que j'y aille verticalement, ça va aller mieux. Essayez ça même. Désolé si vous voyez pas bien. Tiens, je vais bouger ça pour vous. Ça va tellement bien avec cette lame-là. On y arrive. Devrais-je enlever ça aussi? Ouais, on va enlever ça.
Non, je vais pas enlever le vinyle. Tiens, c'est bon. On se limite à la peinture seulement. Bon, je n'irai pas plus bas que ça parce que le reste, on le voit. On va le voir. On peut le voir, en fait, si on regarde dans certains angles. Parfait. Et ça c'est jouissant. T'enlèves d'un truc puis ça se... Oh non, j'allais dire ça s'enlève tout seul. Non, il s'est brisé avant. Yes. Ah, oh, du ASMR visuel. Et puis quand j'avais fait ce cosplay-là, je connaissais pas la colle E6000. Je vais fort probablement l'utiliser ici, par exemple, pour être sûr que tout se renferme. Tu sais, ce projet-là, là, c'est où étaient mes talents de crafting en 2019-2020. Plus 2019 que 2020, donc c'est comme une fenêtre sur moi il y a 3 ans. Donc mes techniques puis mes connaissances ont évolué depuis, là, mais bon. En même temps, je recommencerai pas ce cosplay-là de zéro, là. On s'entend là-dessus, mais bon, j'ai hâte de le présenter en bonne et due forme dans une convention.
Là, les petits bouts qui dépassent, on va les couper. Des petits rebuts. C'est pas mal fait. Un petit bout à corriger ici. Je pourrais essayer d'enlever la peinture là, mais sans défaire le fil. C'est sûr que je laisse ça là. On va faire l'autre en dos de l'autre jupe. Juste enlever les petites bosses. Oui, je vais devoir repeindre ça. Mais c'est vrai que ce soit bien beau. On va secouer ça un peu. Puis là, on va mettre ça de côté. Disons là. J'ai une chaise à côté de moi. Même chose, mais sur l'autre jupe. En fait, la petite poussière de... Ben, des petits tas de peinture bleue en écaille que j'enlève. Ah, j'aime ça quand ça... Quand tu passes ta lame sous la peinture pour enlever l'écaille, puis que ça reste, puis t'en enlèves plusieurs centimètres d'un coup, là. Ah, c'est bon. Ah, yes. C'est quoi le truc que vous aimez le plus? Le truc de ASMR, sensation feel good dans vos trucs de crafting?
Attends, j'ai quasiment fini. On est bientôt fini. On est dans de la musique un peu plus dark de Xenoblade en ce moment. Ah, c'est le fun quand on enlève plusieurs centimètres d'un même coup. C'est parfait. Quasiment fini. Encore une fois, je vais changer ça de bord pour
me faciliter la tâche et je vous change de point de vue. On enlève les petits bouts. Là, je suis rendu trop près du bord, donc on va nettoyer la surface, enlever tous les rebuts que j'ai soulevés. Il reste sur ce bord-là. Quasiment fini.
Est-ce que je me lance tout de suite dans l'utilisation de E6000 pour bien fermer ça? Je pense que oui. Yep, on va faire ça. Je vais prendre une petite gorgée avant. Regardez de quoi. Ok. C'est tranquille ce soir. Alright. Donc. On va aller chercher du S1000. Puis une guenille. Un linge pour essuyer la colle qui va sortir. Ouais, c'est vrai, la S1000, ça peut prendre un moment avant qu'elle coule. Des fois, il y a des bouchons qui se forment. Il va falloir que, potentiellement que je le déprenne, le bouchon, que je l'enlève. Ok, on va se préparer à faire ça. Ok, qu'est-ce que ça dit? Bon, il est collé bien dur. Ah, c'est bon, ça. Ouais, je pense que je vais devoir aller chercher un cure-dent pour percer. Dans le fond, je vais aller percer moi-même le bouchon avec un cure-dent, ce qui va libérer de l'espace, puis ça va faire sortir la colle. Je reviens, je vais aller chercher un cure-dent. Donc, essayons de percer ce bouchon de E6000. Ah, ça va bien fonctionner, ça. On utilise le cure-dent comme une pelle. On vient enlever les petits bouts. Puis là, on perce. Tiens, j'ai fait mon propre trou. Donc, allons-y. Oh, ça commence à sortir. Donc, allons-y. On va y aller par étapes parce que il faut que je mette une petite pression avec mes doigts pour que ça colle puis que ça prenne. Que je vais m'aider d'un cure-dent. Donc là, on attend comme ça. Oh, hello, Jaden. Nice to meet you. You'll be there in 20 minutes. Okay. We'll see if I'm still streaming. We'll see, because since the stream is quiet, I might end earlier than expected tonight. But yeah, if you're there in 20 minutes, then we'll see. Alright. Donc là, je suis en train de coller, utiliser de la E6000 pour m'assurer que ça... qu'il n'y a pas d'espace, que ça tienne bien. Là, je viens enlever les rebuts de colle un peu. Donc, on attend. On va lire les instructions. «
Ouais, faut juste attendre un petit peu. Ah, ben ça tient. Ça tient. Ok, bon, ben cette partie-là est sécurisée. On va sur le reste. Une de mes tunes préférées dans Xenoblade, celle-là. Relaxante. Il y en a des bonnes, des très bonnes chansons dans Xenoblade. Moi, je suis un grand fan de piano, donc de la musique qui a du piano dedans, ça vient me chercher. Encore 1 à 2 minutes. Puis on va voir si je peux enlever la pression que je mets en ce moment sur les deux pièces. C'est bon ça. Prochaine application. Good, on attend que ça tienne. Ok, donc ça c'est fait. On va faire la même chose mais avec l'autre moitié de jeu.
Donc, commençons avec cette partie-là. On attend que ça sèche. J'ai enlevé des petits rebuts de... un petit peu de... voyons... d'acrylique. Pendant que j'attends que ça sèche. Good. Ok, donc ça devrait être bon. On va continuer à appliquer le reste de la colle. Okay. On enlève le reste. Good. On y arrive.
pense que ça a décollé, je sais pas. Allez. Je vais mettre un autre poids que mes doigts qui mettent de la pression sur un cure-dent. Je pense comprendre ce qui s'est passé. Je dois avoir enlevé de la colle avec mon mouvement de linge que je viens de faire, puis ça l'a décollé le... la bande un peu. Comme là, je vais venir en rajouter. Je vais mettre plus de pression pour plus longtemps. De mettre la pression avec une lame cette fois-ci. C'est une bonne idée. On va y aller demain. Tain, on reste de même pendant 2 minutes. Yep. Je fixe mon cosplay. Je suis dans la lune, mais la lune, c'est ma jupe. Ok, ça a l'air de tenir. Yep. Prendre une petite gorgée. Good. Je sais pas, j'ai peut-être eu un dernier follow avec... avec le fait que... Des fois, quand tu fais des publications, les gens te... Après une convention, les gens te trouvent. Ouais, je regarde mes messages en ce moment. Mais ouais, j'ai reçu un autre message. Tout le monde est super content des photos que j'ai fait d'eux ou d'elles lors des 4 séances photos que j'offrais pour le Comic-Con de Montréal le vendredi. Puis là, ben c'est vraiment super. Je suis content. Les gens apprécient... apprécie les photos que j'ai prises de deux ou d'elle. C'est clair que ça va revenir pour le... c'est clair que ça revient tout ça pour le tacuton le vendredi. Ça, c'est clair. Ok, je vais juste vérifier. Je vais voir mon tableau de bord Twitch. Voyons. Dashboard? Ouais, c'est là. Non, c'est pas dashboard. C'est... Ouais, ben c'est ça, c'est dashboard. Ok. Ah, ok, c'est bon. Je viens de comprendre. Tu sais, quand tu vois les nouvelles personnes qui se follow, c'est comme, ah, c'est cette personne-là que j'ai vue en fin de semaine. Je suis comme, ah, oui. Tu vois la photo de profil, c'est comme, ah, ben oui. Yep. C'est bien. Good.
Bon, encore deux, trois minutes de frottage de frottage de rebut de peinture. Au moins, j'aurais fait ça ce soir. Il y a une partie de moi qui a juste envie de remettre de la peinture bleue là, aux quelques rares places où ça s'est parti sur. C'est plus à l'endroit, même à l'endroit là, il n'y a aucune marque. C'est tout clean, clean, clean à l'endroit. Il n'y a pas de peinture qui est partie. C'est juste à l'endroit. Donc, ça se peut que ce soit ça que je fasse au final. Pour gagner du temps, ça se peut que je fasse pas de test, là, comme je parlais de peinture et de trucs de même, là. Mais ouais, là, je vois des petits bouts où il y a des rebuts de peinture bleue qui ont lâché, ont été se mettre à un autre endroit sur mon cosplay. Là, je viens de trouver un de ces endroits-là. Donc, délicatement, avec une lame, je viens juste frotter sans couper pour enlever la peinture. Il faut vraiment que je passe toutes mes pièces à l'inspection. Donc voilà. Donc ben, je pense que je vais arrêter le stream là-dessus. C'est tranquille ce soir. Puis ça arrive. Puis on va continuer, mais hors stream. Puis j'ai un petit peu faim. Puis je vais pouvoir interagir avec Moonlita pendant que je fais mes affaires. Donc ça, c'est cool. En personne en plus. Oups, mauvais truc. Alors ben c'est voilà. C'était mon stream de ce soir. Donc c'est ça, mon prochain, comme à mon habitude, va être ce mercredi. Je vais continuer mon randomizer de Majora's Mask. En espérant le terminer bientôt, peut-être dans 2-3 streams si on est chanceux. Parce que j'aimerais ça vous montrer un autre jeu. Soit un autre randomizer de Wind Waker cette fois-ci, ou un autre jeu parce que bon, j'aime ça faire un peu de variété sur ma chaîne. Et je vous rappelle que ce samedi, je ne ferai pas de stream. Je vais être à l'extérieur de chez moi, donc je ne pourrai pas en faire. Mais je vous reviens dans deux semaines avec une diffusion le samedi, un GDI News suivi d'un jeu. Alors, ce sont les plans pour les prochains streams et les prochaines semaines. Donc, ben, d'ici là, ben, portez-vous bien, passez une excellente soirée et prenez soin de vous. Et à plus tout le monde. Salut!